Bonjour Philippe. Bonjour Faustine. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes toujours aussi lumineux. Ça Merci. Me fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup Faustine. Ça me fait très très plaisir également d'être là. Alors comment vous allez déjà? Eh bien, par rapport à la dernière fois, très 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 bien. C'est vrai? Alors la dernière fois, on vient de revoir les images, vous étiez venu nous dire qu'il y avait un espoir pour une opération qui allait peut-être vous faire retrouver la vue. Déjà, où est-ce qu'on en est de cet espoir-là, Philippe? Non, je pense que... Alors, je garde toujours l'espoir, ouais. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas abandonner. Mais dans l'état actuel des choses, je suis parti à Montpellier derrière, on m'a fait comprendre que ça serait extrêmement compliqué de pouvoir réhabiliter ma vue. Donc, j'ai encore l'espoir, mais... Petit. Voilà. Petit peut-être espoir. Que j'aille à Lourdes, ça serait peut-être plus rapide. Déjà, quand on reprend l'humour, c'est déjà... Bon, ça, vous l'aviez jamais perdu, votre humour. Mais justement, j'ai envie de vous poser la même question. Une autre question. On vous a vu en colère, on vous a vu... C'est pour ça que vous aviez tant ému nos téléspectateurs. On vous a vu vraiment en douleur, en détresse. Est-ce que vous êtes plus apaisé aujourd'hui? La colère est toujours là. J'ai pas fini mon combat. C'est un peu ce qui régit ma vie actuellement. Maintenant, ça s'est beaucoup apaisé pour d'autres raisons. Mais ça s'est apaisé, effectivement. Est-ce que déjà témoigner, parler et avoir tout cet élan de tendresse autour de vous, ça vous a fait du bien, Philippe? Énormément. Énormément. J'ai eu beaucoup de soutien de beaucoup de téléspectateurs. Et j'avoue que le simple fait que les gens reconnaissent, ont une certaine colère par rapport à l'histoire que je peux vivre, je pense que c'est très... Ça, c'est quelque part, ça rassure. Ça vous porte. Et puis peut-être aussi entendre d'autres gens qui ont un parcours similaire, qui ont été victimes d'erreurs médicales. Ça aussi, ça vous a fait du bien? Oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans mon histoire. Et j'avoue que effectivement... d'être un peu le porte-parole de tous ces gens-là, en toute modestie, de pouvoir parler pour des gens qui ont subi des erreurs médicales de ce type. D'avoir un rôle, en fait, de porte-parole. Voilà, et que la médecine fait toujours la sourde oreille pour ce genre de choses-là. Tout au moins, les gens à qui je m'adresse quand je hurle ma colère, disons qu'ils... Voilà, c'est un petit peu... C'est pour ça que ma colère reste toujours vive, n'importe comment. Mais bon, je suis beaucoup plus apaisé personnellement, je vous dis, pour... ça va. Donner un sens à tout ça vous a fait du bien. Oui, ouais. Alors, vous saviez qu'on avait reçu des tas, mais des tonnes de messages. Moi-même, je peux vous dire, sur mes réseaux sociaux personnels, Philippe, un nombre de gens qui me demandaient vos coordonnées, et beaucoup de femmes aussi. Parce que vous aviez perdu confiance en vos pouvoirs de séduction, mais je peux vous dire que les téléspectatrices, elles n'ont pas du tout été insensibles. On vous avait mis en contact d'ailleurs avec quelqu'un à l'époque. Comment ça s'est passé avec cette personne, non? Claire, elle s'appelait Claire. Ouais, écoutez, ça ne s'est pas passé, c'est passé. C'est-à-dire que ça s'est passé très très vite. Ça a été, je crois que tout de suite derrière l'émission, on est retourné à Lyon. Et j'ai pratiquement pas eu de nouvelles d'elle derrière. Ah oui? Non. Bon, alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Parce que vos fils, ils voulaient vraiment que vous retrouviez quelqu'un. Je me souviens sur le plateau, et moi aussi, parce que beau gosse comme vous êtes, gentil comme vous êtes, je m'en étais fait une histoire personnelle. Vous allez me faire rougir. C'est... Tant que je ne vous fais pas pleurer, c'est tout ce que je demande. Non, pas aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Oui. Oui, et d'une façon tout à fait... Et grâce à vous. Pourquoi grâce à vous, nous? Bon sang, grâce à vous, c'est une histoire absolument... comment dire? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dominique. Alors, comment vous l'avez rencontrée, Dominique? Alors, comment je l'ai rencontrée? Et pourquoi alors, c'est un lien elle est arrivée comme le soir de Noël. Elle est arrivée chez moi, comme un cadeau, mais un cadeau extraordinaire. Et c'était le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Mais elle vous avait vu à la télé, elle? Oui. Mais elle a débarqué, on ne débarque pas chez quelqu'un comme ça. Comment elle a fait pour vous retrouver? Alors, j'ai essayé de vous résumer, mais elle vous expliquera beaucoup plus facilement. Alors, est-ce qu'on peut accueillir Dominique? Parce qu'elle est là. Eh bien, alors, on va accueillir Dominique. Là, voilà, elle va arriver derrière vous. Restez là. Voilà, Dominique. Bonjour, Dominique. Je vous en prie. Bonjour, Dominique. Je suis ravie de vous rencontrer.
Alors moi j'adore l'idée de rencontrer en personne un cadeau de Noël, parce qu'il vous présente comme ça. Elle est arrivée un soir de Noël et c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Moi il faut que vous remontiez un peu plus en arrière, il faut que je comprenne. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous l'aviez vu à la télévision? Alors je l'ai vu à la télé effectivement, à l'émission du 21 janvier 2019. Ouais. Et au fur et à mesure qu'il parlait de, qu'il faisait son témoignage, j'ai été scotchée devant mon écran. Et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable et incontrôlable et inexplicable. J'ai senti quelque chose venant de lui, m'attirant vers lui, et quelque chose venant autour de moi, me pousser vers lui. Le destin. Pourquoi peut-être. Comment? Je ne sais pas. Mais alors après, il fallait le retrouver. Voilà. Comment vous avez fait? Donc du coup, chose, voilà, l'émission finie, j'ai sauté sur mon ordinateur pour revisionner l'émission. Ouais. Et effectivement, envoyer un message parce que c'était très fort en moi. Il fallait que je lui envoie un message. Ouais. Je ne savais pas. Il n'y avait rien de calculé. Je ne savais pas pourquoi. Il fallait que je lui envoie un message. Il fallait que je le contacte. C'était pas forcément dans un but d'une relation ou quelque chose. C'était évident pour moi. Il fallait que j'aille vers lui, que je le contacte. Mais les choses faisant, je ne suis pas arrivée à revisionner l'émission sur mon ordinateur. Donc, je ne suis pas arrivée à envoyer un message. J'étais très en colère, très déçue. Et zut. Et j'ai réessayé plusieurs fois et je ne suis pas arrivée. Oh, la technologie, elle voilà, me perdra, c'est ça. Dominique. C'est ça. Moi et la technologie, ça fait deux. Alors, comment vous avez fait alors pour le retrouver? Eh bien, ça a mis du temps. Ça remontait en surface. J'y pensais souvent. Je me disais zut. Je réessayais à chaque fois. Puis, je me disais zut, j'y arrive pas. Zut, zut, zut. Et puis, je me suis dit, écoute, ma pauvre fille, il est loin, il est derrière un écran télé. Toi, tu es dans ton Lot-et-Garonne. Lui, il est dans la région parisienne. Retombe sur terre un petit peu. C'est quelque chose de, voilà, d'inaccessible. Donc, du coup, j'ai continué ma petite vie. Mais vous aviez toujours fini voilà. en tête. Voilà, j'ai continué ma vie. Mais vous n'avez pas des enfants? Si, j'ai quatre enfants. J'ai deux enfants. Mais en âge, moi. Je parle des mais enfants je... en âge de, non, d'utiliser les outils de réseau. Pas chez moi. Je vis toute seule, je suis divorcée, donc je vis toute seule. Du coup, j'avais personne sous la main. Ah, là, là. Je ne voulais pas les embêter parce que, bon, ils ont leur vie, ils ont leur... Voilà. Et du coup, le temps a passé, ça remontait en surface. Je faisais quand même ma vie, puis ça remontait en surface. Et je me suis dit, c'est pas normal pour que ça remonte en surface. Il y a quelque chose qui s'est imprégné en moi, il faut que j'aille plus loin. Du coup, mon fils venant à la maison en vacances, je lui ai demandé comment faire pour revisionner une émission ancienne. Et c'était ça au mois de décembre. Et il a trouvé? Quand même. Ah, bah lui, oui. Bah oui, c'est pour ça que moi je pensais que vous alliez demander à vos enfants ou aux copains à côté. Donc vous avez pu regarder la. Donc du coup, j'y suis allée, j'ai revisionné et revisionné en boucle. Mais combien de fois visionné... vous l'avez regardé? Ah, bah tous les jours, deux, trois fois par jour. Le matin, je me lève le matin, j'allumais. Entre midi et deux, je rentrais, je remets. Ah ouais, et puis le soir. Puis au bout de quelques jours, quand même, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Vous étiez amoureuse, hein? Oui. Mais je m'en rendais pas compte. Bah ouais. Alors je peux dire que c'est un coup de foudre, mais je ne m'en rendais pas compte. Je n'ai pas mis les mots sur la chose. Du coup, j'ai quand même... j'ai envoyé un message. Et alors, j'ai envoyé à trois reprises quand même. Sur les réseaux sociaux? Je l'ai envoyé sur votre émission. Oui, sur votre en premier. Émission. Et puis le lendemain, je me suis dit, mais au bout de 11 mois, personne ne va le voir, personne ne va le lire. C'est trop vieux. Le truc, il n'est plus, plus dans le circuit. Donc, du coup, j'ai cherché, parce que, bon, voilà, je me suis pris du courage, j'ai cherché un peu partout, et j'ai trouvé l'adresse personnelle de ces garçons. Ah ! Et yes ! Vous avez écrit au garçon ? Et j'ai envoyé un mail au garçon. Au garçon ? Voilà, dans l'espoir. Vous êtes doué, dis donc. Oui. Bah non, bon, il y a eu du temps, mais une fois que vous avez trouvé, et vous leur avez écrit quoi ? J'ai flashé sur votre père, hein, c'est l'homme de ma vie, mais il ne le sait pas encore ? Non, je n'ai pas dit ça comme ça, non. Vous avez dit quoi alors? Non, je sais pas, j'ai le. Ouais, je vous l'avez là. Gardé? Ah oui. Le mail? Oui, oui, c'est gardé, tout est archivé. Et ah, c'est super. Ouais. Notre histoire est trop forte. Trop belle. Que ça reste comme ça. Non, je sais pas. Alors, montrez-moi. T'as rien à prendre tes Oui, parce que je le connais pas par cœur quand même. Alors, lisez-le-moi, je veux savoir. Donc, vous avez envoyé ce mail-là? Je l'ai envoyé à trois reprises parce que je n'étais pas sûre que ça arrive bien. D'accord. Philippe, vous êtes une très belle personne et c'est pour votre beauté d'âme que vos fils sont si aimants envers vous. Vous m'avez terriblement émue lors de l'émission, ça commence aujourd'hui. Je n'ai pas osé me manifester, mais les mois ont passé et je me demande toujours comment vous allez. Je vous souhaite du fond du cœur réconforté, serein et apaisé. Humblement, je vous envoie toutes mes meilleures ondes pour vous encourager à garder sourire, amour de la vie et de ma main tendue. Je vous soutiens dans cette épreuve de la vie. Accrochez-vous, vous méritez de retrouver le bonheur et la paix intérieure.
Sincèrement, avec toute ma sensibilité, mes pensées vous accompagnent. Dominique. Et respect au dévouement de vos fils. Non, non, attendez, attendez. Est-ce que, parce que c'est hyper mignon. C'est hyper mignon ce mail-là. Mais vous dites pas du tout que vous avez eu un petit chuchrognouf, que vous lui donnez pas votre numéro, vous parlez pas d'amour. Vous lui dites à quel point vous respectez, vous êtes touchée, mais vous nous parlez pas love, là. Non, parce que je m'en rendais pas compte. C'était... Pour moi, c'était évident, mais c'était dans mon subconscient. D'accord. En fait, je lui ai envoyé ce mail parce que je voulais le contacter, mais sans savoir vraiment pourquoi. Oui, c'est ça. Vous aviez un truc, une intuition. Ce n'était pas calculé dans le but de dire, bon, ben voilà, je vais avoir une relation avec lui et tout. Non, mais il y avait quelque chose qui vous attirait. Il m'a troublée, il m'a attirée, il m'a émue. J'ai eu un coup de cœur et je peux dire aujourd'hui que c'est un coup de foudre. C'est beau. Parce et alors, attendez, il vous a répondu? C'est les fils qui, c'est vos fils qui ont répondu? Ces garçons m'ont répondu en me donnant de ces nouvelles qu'il n'allait pas si bien que ça, qu'il n'allait pas du tout bien même, et en me proposant de me donner son téléphone. Donc, vous vous êtes retrouvée avec le 06 de Philippe en vous disant, est-ce que j'appelle? Qu'est-ce que vous faites? Ah non, je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était évident. Donc, vous l'avez appelé? J'ai grandement remercié ces garçons. C'est chaud quand même d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas en disant « Bonjour, je vous ai vu à la télé, je vous trouve... » toute la journée. Donc, c'était un samedi, le 15 décembre, la réponse du mail. Et j'ai briefé tout de suite sur mon blog tout ce que je voulais lui dire, comment j'allais lui dire, par quoi j'allais commencer. Enfin, c'est pas évident, c'est vrai, quand on appelle quelqu'un comme ça, moi, je le connaissais un peu par l'écran, mais lui, pas du tout. Et puis derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Puis ça fait un peu peur, Philippe, parce qu'elle, elle avait tout un passif avec vous, Dominique. Ça faisait déjà un an qu'elle vivait avec vous, plus ou moins. Bah, c'est ça, de janvier à décembre, ça faisait déjà au moins un an qu'elle cogitait, alors que vous, c'était une parfaite inconnue qui débarquait dans votre vie. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc pour vous, quand elle vous a appelé, ça vous a fait quoi comme... Déjà, j'étais touché par la démarche. Donc quoi qu'il arrive, moi, je ne me posais pas de questions. J'ai eu cette démarche qui a été faite vis-à-vis de moi. Donc j'ai trouvé ça déjà hyper touchant. Et puis c'est voilà quoi. Faut quand même être couillu. J'osais pas le dire. Couillu, mais on peut le dire. Voilà, faut quand même être couillu pour faire ça. D'ailleurs, c'est le terme que j'ai employé quand je l'ai eu. J'ai dit franchement, c'est couillu ce que on s'est tutoyé pratiquement immédiatement. Donc je dis mais c'est couillu ce que tu as fait. Franchement, c'est très fort. Tu sais pas sur qui tu vas tomber. Tu sais pas qui je suis. Ouais, vous pouvez être un psychopathe. Même je peux être un satyre ou je sais pas trop quoi. Et alors attendez, c'est vous qui lui avez dit de venir? Non. C'est quoi? Alors, en fait, quand je l'ai appelé, ça, même au téléphone, ça a matché tout de suite. On s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours, avec un naturel, une aisance, une facilité, ça coulait tout seul. C'est ma batterie qui nous a coupé au bout de 1h30, 2h, je ne sais plus. Du coup, je l'ai rappelé le soir et à partir de là, on s'est appelé tous les jours. 2-3 heures d'appel. J'en ai explosé mon forfait. Les ados, quoi. Et du coup, voilà. Exactement. Sur un nuage, mais... Et sans question, sans doute. Moi qui, d'ordinaire, scanne tout le monde et je décortique tout le monde, tous les gens que je peux rencontrer. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça. Là, aucune. Et c'est vous qui avez pris l'initiative, du coup, d'y aller? À un moment donné, il m'a dit, à un moment donné, il faudra peut-être qu'on se rencontre, ça serait bien. Et je lui dis, écoute, si tu veux, pour les fêtes, je ne fais rien. Donc, si tu fais rien, je peux venir te voir. C'est exactement ce qu'il a fait. Les grèves, non? Oui, en pleine grève, Je ne savais pas comment j'allais faire, mais j'ai fait la proposition, moi. Et vous avez accepté, Philippe? Ah, qu'elle vienne? Plutôt 5 fois qu'une. C'était prévu le soir de Noël? Disons que je travaille, donc j'ai fait en fonction de mon travail. Ah là 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 là. Et j'ai demandé à mes enfants, d'abord, si ça ne les dérangeait pas, que je ne sois pas là pour Noël. Bon, comme je suis divorcée, il y a les beaux-parents, les parents, bon, on se répartit. Du coup, c'était pas un problème. Et alors, attendez, vous ouvrez la porte. Donc, vous débarquez, je veux trop savoir. Vous ouvrez la porte, c'est quoi? C'est un aimant qui vous attire l'un vers l'autre? Vous avez un coup de foudre? Qu'est-ce que vous ressentez quelque chose, Philippe? C'est la première fois que vous la ressentez en face de vous? Non, mais ça a été une... c'était déjà une évidence parce qu'on avait beaucoup discuté ensemble, donc... Moi, tout passe par l'intellect, quelque part, puisque j'ai plus la possibilité de passer par l'image. Bon, elle est très jolie, Dominique, vous pouvez être totalement... elle est aussi jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, c'est gentil, merci Faustine, ça me fait plaisir. Comme ça prouve que je ne me suis pas gourée. Non, je sais qu'elle est très belle, mais mes enfants m'en ont longuement parlé. Et c'est une très très belle personne en général, quoi qu'il arrive. Mais alors, dès le soir même,
Vous sentez, non, je ne vais pas vous poser la question que je meurs d'envie de vous poser, mais dès le soir même, vous êtes pris, les chouchounios, dès le soir même, vous sentez qu'il y a une, évidence, en plus c'est le soir de Noël, il y a une évidence, quoi. Oui, mais il n'y a eu aucune, on peut être gêné, on peut avoir une gêne, mais tout est passé. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même une histoire qui est quand même plutôt extraordinaire, parce que tout est passé sans aucun péage, si vous voulez. L'autoroute, elle était ouverte. Oui. Ah, ça a été, il y a, toutes les voies sont ouvertes et tout a matché, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan physique, que sur la rigolade. Elle m'a redonné le goût de rigoler, de s'amuser. On passe des soirs entières à rigoler, quoi. Et moi, c'est évident. C'est une évidence. Ah, c'est beau. Vous avez passé combien de temps ensemble pendant ces vacances? Je suis partie pour rester 11 jours. Et pour moi, il n'y avait aucun doute que ces 11 jours... Il n'y avait même pas l'idée que ça aille pas, que ça ne matche pas, que je sois obligée de rentrer plus tôt que prévu. Non, je suis partie, comme souvent on dit, parce qu'on tourne beaucoup à la dérision, ça s'est cité, je suis partie à l'aveugle, mais avec une totale confiance et certitude. Vous en êtes où aujourd'hui? Ça fait quelques mois maintenant que vous êtes ensemble. Oui, je viens toutes les 3 semaines le voir. Ouais. Pour normalement 1 semaine. Là, ça fait déjà presque 3 semaines que je suis là. Ah oui, d'accord. Donc vous ne repartez plus jamais, quoi. Voilà. Et alors, quand est-ce que vous emmenez? Je fais trop vite. Mais vous avez un projet? Oui. Vous avez le projet alors, un premier projet. On part en vacances 1 mois. Ah. Tout le mois de mai est complet. Où ça? Nous partons à la Méditerranée, à Saint-Cyprien. Ah là là. C'est réservé, ça y est, c'est. Ah, c'est chouette. Et vous êtes hyper heureux. Est-ce qu'elle participe, Dominique, à vous apaiser? Est-ce que c'est ça aussi qui est complètement changé? C'est évident. Elle vous a réconcilié avec la vie, en fait. Oui, c'est évident. Je vous dis, j'ai toujours le combat est toujours en moi, ça c'est sûr. Je ne laisserai jamais tomber jusqu'à mon dernier jour, tant que je n'aurai pas obtenu ce que je veux. Non, je suis très apaisé et puis j'ai quelqu'un qui me tient la main, j'ai quelqu'un qui est décidé, oui, qui m'aide tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas de ça dont j'ai besoin le plus, une aide, mais elle est avec moi, elle est à mes côtés. Ouais, la femme de votre vie un peu. Oui, je le dis sans détour, oui. Et vous, Dominique? Complètement. Il m'apporte tout ce que je recherche dans la vie. Il faut savoir que quand même, Philippe est quelqu'un de très drôle et toujours de bonne humeur. Ah, j'en ai aucun doute, hein. Toujours de bonne humeur. Il montre beaucoup de sensibilité dans ses larmes quand elles viennent, mais c'est quelqu'un qui est très joyeux, très positif. Au quotidien, il est toujours dans la positivité, ouais. Il est toujours drôle, il y a toujours un mot d'humour à tout moment. Et tous les deux, on est sur la même longueur d'onde. Même habillés pareil, hein, donc, dans les mêmes couleurs. Donc, Ah oui. C'est ce qu'on s'appelle, nous, dans notre émission, on parle de neurones miroirs. Quand il y a des personnes qui se rencontrent, et c'était une telle évidence. Et je suis un peu cotonne que ça soit aussi un peu grâce à nous. c'est pas un peu, c'est beaucoup. Ah, c'est complètement. Je dois une fière chandelle à l'émission. Et ça prouve que dès le départ, c'était écrit. Et c'était une suite logique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est encore avec vous, Faustine. Et merci. Et qu'on ne va pas arrêter de vous suivre, hein, parce que moi, je veux tout, hein, la suite, les projets, l'emménagement ensemble. Voilà, on a prévu, quand on aura notre bébé, on l'appelle Faustine. Voilà. Ah, j'adore. Si c'est un garçon, ce sera Faustine. Voilà, ça sera. Dès qu'elle est enceinte, je vous préviens. Vous me parliez de votre humour. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir partagé cette belle histoire. On reste en contact, hein, parce que moi, je veux vous revoir régulièrement, avec tous les deux, plaisir, les amoureux. Avec grand plaisir, Faustine. Pas de problème. Profitez bien de cette très, très belle histoire. En plus, vous êtes au début, c'est les meilleurs moments. Mais après, encore, il y a plein de choses. Vous avez une vie devant vous, tous les deux. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir partagé ce bonheur avec nous. Ça fait du bien. C'est pour ça que cette émission s'appelle Ça commence aujourd'hui. C'est parce que pour vous, il s'est passé quelque chose et ça a commencé aujourd'hui. C'était cette rencontre qui allait venir avec Dominique. Merci à tous les deux. Merci Faustine.